Bonjour les copains. Première sortie depuis le Covid, on n'a pas eu la Coupe des Alpes, on n'a pas eu le rallye alpine, on fait cette première édition avec Maëva, Miss France 2018, qui a déjà fait le tour auto pour le rallye d'été. Qu'est-ce qu'on a au programme? Part de Paris, on va au Château de Fer, ensuite on passe la nuit à Reims devant la cathédrale, et ensuite on va sur un circuit. Et retour à Paris au restaurant Le Doyen. Rally Story nous a préparé un bon programme, on fait tout ça en Porsche, c'est parti. C'est parti. C'est un des premiers événements post-confinement. On va en profiter. Alors, le programme de la journée, nous allons partir à partir de 9h pour rejoindre au départ de ce garage, en direction de la Champagne. Nico, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on est, s'il te plaît? Alors ici, vous êtes dans le 18e arrondissement de Paris, et ce bâtiment est le bâtiment où est née la marque Alpine, que vous voyez ici représentée. Donc la première Alpine, c'est ici. C'est ici qu'elle a été dessinée, conceptualisée et fabriquée par monsieur Redélé. Ok, magnifique. Merci. Vous en prie. Présente mon équipe du vlog. On a MD, photographe, Vladimir, drone, Léo à la caméra, et notre princesse. C'est parti! Ça va Julien? Super voiture, une super femme avec moi. Il fait presque beau. Il fait beau. On est heureux. On est bien, on sort de Paris, on va bien rouler. On va vers quel château? Julien teste un peu la voiture. Ouais, vite fait. Ouais. Et puis, avant que tu la testes. Avant que moi je la teste, parce que je ne l'ai pas encore conduite et je la conduirai tout à l'heure. Je lui ai laissé l'honneur de sortir de Paris. Paris, c'est son terrain, il connaît. Il m'a dit, faut pas que je l'abîme dès le début. J'imagine, je la tape. Tout le monde nous suit, tout le monde est en train de se tromper. Oh la pro, elle a ses petits autocollants, montre-moi ça. Ils sont là. Oh là 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 là, ça rigole pas. Ça, on a nos repères, on a besoin de revenir à une page importante. Ça change des copains. Hein. Chapelle. Je pense la prochaine sortie sur la droite. Là on a le fameux pont. 200 mètres. Voilà. Vers centre-ville, porte de plus. Premier pit stop, donc café, pause, moi j'ai piqué des madeleines et je lui passe le volant, c'est parti. Gimme, gimme. Ok, c'est parti, en route. Allez. T'as pas peur? Non. Où est-ce qu'on va du coup? Le roadbook est juste ici. Ah, c'est mon taf maintenant. Écoute, on va au château Thierry, route du Champagne. Donc ça va, on a 25 km. Ah bah ouais. Non mais on a deux jours. Ah ouais. Genre je conduis que. Moi et Maëva, comment tu te sens? Bah écoute, délacé. Ça va, tout va bien, j'ai hâte de conduire cette belle petite voiture. Nous n'allons pas faire les fous. J'ai mon instructeur à côté qui va te guider, qui va t'expliquer. Est-ce que tu sais où est la clé pour démarrer la voiture? Laisse-moi chercher. Porsche, c'est une exception. C'est les seules voitures qui se démarrent sur la gauche. Que t'as pris dans ta valise? J'ai pris mes lunettes parce que enfin le soleil pointe le bout de son nez. Tu réaménages un peu le coffre du coup? Ouais, t'en profites. Je crois que c'est bon là. Non. Non, il reste un sac. Voilà. Ok, et j'ai pris mes trois paires de lunettes. J'en ai pris trois parce que je suis une fashionista, donc je ne sais pas lesquelles je mets. Pourquoi pas quatre? J'aurais pu en prendre 10 même. J'aurais pu en prendre 10. Tu mets lesquelles alors? Je ne sais pas. Écoute, c'est quoi? Je vais demander à mon copilote son avis. Il est où d'ailleurs, Julien? Il est parti. Je vais me faire rouler plus vite. Ah, il est là-bas, regardez les pistes. On te voit. Elles sont bien celles-là? On a celle-ci, celles que j'ai là, elles sont bien. Ouais, bon, et moi j'ai une question, Eva. Vas-y. La voiture, c'est comment? Elle est bien, elle est canon. Bon petit moteur,
fort, mais j'ai pas encore pu vraiment la pousser. Là on n'a pas assez roulé et puis j'ai mon instructeur à côté qui me dit 80, 90. Parce que voilà. Là on essaie de faire des plans en drone et du coup faut pas aller trop vite. Bah ouais, je sais. Non mais après on aura des moments où on pourra rouler un peu plus. Oh oui. Bon et du coup est-ce qu'un jour on pourra mettre le mode sport? Bien sûr. On peut mettre dès maintenant. Dans quelques minutes on peut mettre dès maintenant. On peut le remettre direct. T'as vu, il est gentil. Qu'est-ce qu'on fait, Vlad? Alors, on va faire une prise spéciale Gaugée. C'est-à-dire? En gros, on prend le drone, on prend sa main, et en gros, je fais décoller depuis la main. Et c'est pas dangereux? Non, reproduisez pas ça chez vous. Je veux frimer un petit peu. Je veux faire genre c'est naturel, alors qu'en fait, j'ai très peur. Comment ça se passe? Ça se passe qu'elle roule, et je dis à un moment, c'est parti, et on envoie le drone. Ok? Yalla. Maëva, est-ce que t'as déjà vu un drone décoller depuis l'intérieur d'une voiture? Non, jamais. Jamais? Bah, je vais te montrer ça. On a fini de déjeuner. Parking déjeuner. On va sortir du parking ici. Et on a 270 km à faire cet après-midi. C'est un sacré morceau. Et on s'arrête pour faire une dégustation de champagne. Ça te va? Oui. On a adopté un petit Léo. Welcome. Comment ça va, Maëva? Écoute, tout va bien. J'ai mon prof derrière qui me dit comment appréhender cette belle petite voiture. Je prends tous les bons conseils pour devenir une super pilote. Et au niveau de la voiture, alors comment ça se passe? Oula, on roule actuellement en mode sport. Franchement, c'est top. Elle envoie. Ouais. Disons, il y a plein de voitures là. Ah ouais, donc on a vraiment fait n'importe quoi. On a suivi Waze. Mais on se retrouve sur le bon chemin. Mais en fait, il faut surtout préciser que Julien, le copilote, a pris des vacances. Là, il est pas là en fait. Il a pris, il a posé un RTT, le mec. Ah, je me suis mis en recul. Je me suis mis en recul. Voilà, donc on est allé sur Waze. Anything, just don't tell me. No, you stop it still. Then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop. Ça va? Regarde, elle a mis ses beaux gants. Ah là, ça y est, là je suis en. Là, il y a du level. Ça va super bien. Est-ce que tu peux me dire un truc du genre, ah, on a bien mangé là maintenant, on prend la roue. Ok. Ah non, mais c'est pas vrai, on a pas bien mangé. Elle a pas eu son iced tea. 3 grains de riz, un mini poisson. Elle veut un burger. Écoute, on a bien mangé. Je viens demander à mademoiselle. On est venu chercher un McFlurry. Caprice. Et moi, je suis faible, je dis oui à tout. J'ai demandé gentiment et il a accepté. Assez rapidement, faut le dire. Et tu prends un truc, Julien, toi? Je vais me prendre un cheese, du coup. Bah ouais, obligé. Un petit cheese. Away from me, if you can't withstand my love. Ouais, du coup, comment vous vous sentez? C'est quoi la mood là? Oh, on est trop content. On a oublié qu'il y avait un rallye. On est vachement solidaires des autres voitures. On partage un vrai moment avec eux. Il faut savoir profiter du moment et là on s'amuse bien tous les deux. Ah ouais, moi j'ai jamais fait un rallye si détente que ça. Ouais, là tu m'emmènes vraiment dans la détente. Moi non plus. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça rallye quoi. Non, c'est une balade entre des amis là. Nous on se rend juste à point A, point B. Merci beaucoup, Julien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
moteur chauffe trop. Pas de la voiture, hein, du drone. Qu'on vérifie nos petites stories, ça raconte nos petites vies. Ouais, alors c'est comment les conduites là dans la ville? C'est magnifique. C'est beau. C'est très très beau. Vallonné avec des vignes partout. Ça a vraiment changé un quart d'heure avant d'arriver en Champagne. Ouais. Ouais, du coup c'est toi qui conduis là, Julien, maintenant? Ouais, puisque on a un peu de retard. Elle se repose là. On a un peu de retard. On a un peu de retard du coup. Du coup, on avance un peu plus avec moi. Non, elle conduit très bien, pour le coup. J'ai aucun problème. Ouais, mais franchement... On n'en arrête pas, on fait une heure chacun. On veut visiter les caves, on veut visiter les caves. Là, on va visiter des caves. Qu'est-ce qui nous a attendu 2 heures là? Ah, monsieur, les jeunes. Tenez les gars, c'est pas qui souvenir, gentil. Ça va d'avoir attendu. En vieillissement en cave. En fait, il y a tout un dépôt de levure morte ici. La particularité des vins de Champagne, c'est qu'on a une deuxième fermentation dans la bouteille. C'était déjà du vin, à nouveau avec des levures et du sucre, qui ont donc fermenté. Et une fois que la fermentation est finie, t'as tous ces levures, en fait, c'est le dépôt des levures mortes qui crée une lie. Et donc le vin en vieillissement en contact avec ce dépôt va venir s'enrichir, autant sur l'aspect sensation et sur l'aspect aromatique. Ok. We've never been just like friends. Late night, you told me to forget. À ce premier rallye d'été. On quitte les caves du Champagne Lombard et on va enfin à Reims, en face de la cathédrale où il y a l'arrivée de la première journée, prendre nos marques pour l'hôtel et pour aller dîner. Ouais, alors qu'est-ce que tu as appris alors sur ce champagne? J'ai bu qu'une demi-coupe, donc je ne peux pas t'en dire plus. Mais il était extra brut. 1973, la plus vieille bouteille qu'ils ont. Et il y a 1,5 km de cave. C'est genre, si le gars s'amuse à dire hop, je disparais, jamais tu ressors. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite? C'était chouette, c'était beau, c'était impressionnant. Oui, ouais, ouais. Bah, c'est pas des rigolos, hein, c'est à l'usine. Non, c'était cool, surprenant. On s'attend pas à ce qu'il y ait autant de couloirs. Ouais, de coup, c'est vraiment géant. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Qu'est-ce qu'on fait, Julien? A ton avis, on joue au golf! Je mets de l'essence! Elle consomme, elle appuie, accélère, sport, sport, sport. Enfin, elle est pas en normal, elle est toujours en sport ou en sport plus. Attends qu'elle trouve les palettes. On va où là du coup? On va à la cathédrale de Reims, à l'hôtel de caserne de Chanzy. Ça va, Maëva? Bah écoute, ça va, ça y est, c'est la fin de la journée. On arrive à l'hôtel, donc petit dîner, c'est ça? Petite dégustation de champagne. Et demain, deuxième journée, mais que demi-journée, donc ça va être hyper rapide. Il n'y a plus d'horloge et plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. On est à Reims, on cherche la ligne d'arrivée. C'est un peu mélangé. On s'est un peu mélangé dans le roadbook. Mais la cathédrale est là, donc on n'est pas loin. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile. Et on fragile. Coupe le moteur. Et on ferme le roadbook. Regarde comment c'est bon, regarde comment c'est bon. Quel kiff. Un petit mot sur l'arrivée? Épuisé, je me sens fatigué et j'ai hâte de prendre une douche et d'aller dîner avec Maëva. Ouais. On va se faire tout beau, tout propre, parce qu'on tue un peu la vérité. La vérité, je fais une douche de garçon, un coup d'eau, une nouvelle chemise, c'est parti. Oh. Elle, on va la perdre une heure. Bien, on est arrivé à Reims, on a super bien mangé, je suis fatigué. Maëva est en pleine forme, elle m'a fait boire du champagne. Et c'est pour ça qu'il n'articule pas. Je vous propose qu'on se voit tout de suite le lendemain pour nous, c'est parti. Coucou Maëva.
Attends, tu vois, j'installe mon petit chocolat. Juste ici. On va faire quoi là? Là, c'est le départ. On rentre à Paris. On va aller manger chez le doyen ce midi. Pareil, c'est très très bon. J'ai hâte. Ça a passé vite parce que beaucoup. On n'a fait qu'un aller-retour. On a fait le plus gros hier. Donc voilà, on va bien profiter ce matin. Normalement, à midi, on est à Paris. Normalement. Nous, ça sera peut-être 12h30. Ou 16h. Ah, moi, je dois rentrer à Lille après. Il faut au moins qu'on arrive à 13-14h parce qu'après on va quand même devoir manger avec tout le monde. Là, si on mange tout seul, ça dit non. Peut-être qu'il y aura de la terrine au cabillaud là. Ne m'en parle pas. Par contre, franchement, si c'est du poisson, c'est quoi, je vais dire que je mange pas de poisson, tout simplement. Hier, ils m'ont dit trop tard qu'on pouvait demander de la viande. Tu conduis ce matin? Ah, c'est vrai, tu sais quoi, je me suis mise là d'office, mais parce que j'ai toujours été coquillotte en fait. Oh, je pense que je vais le laisser conduire un peu le temps que je bois mon chocolat chaud. Ah, tu vas loin. Quoi, Julien? Écoute, on a super bien dormi. On part de Reims avec sa belle cathédrale et on va au circuit de Gueux. On prend le volant au début et on échange quand elle a fini son chocolat chaud. Là, on est au circuit Gueux pour un pit stop ravitaillement café Madeleine et on va en profiter pour faire un ou deux passages en drone et en caméra en ligne droite assez rapide devant l'ancienne ligne droite du circuit et devant les gradins. C'est parti! Par les petites nationales vers Paris. Maëva, est-ce que tu sais combien de chevaux a la voiture? Mais bien sûr, elle a 450 chevaux. Vous avez bien entendu. Sur un 6 cylindres. Et est-ce que le 0 à 100, tu connais le temps? Oui, je connais le temps. Vas-y, ah, elle est en train de me le demander. Il y a 29 dedans. Non, c'est 3 secondes 6. Ça peut pas être 29. Non, mais 3 secondes 9. Bon, okay. Ah, 3 secondes 29. Non. Elle est en place, hein! Fall off the avalanche. Turn away. Ça s'est bien passé la route? Ouais, ça s'est très très bien passé. On a faim. On a envie de faire pipi. C'est parti, le doyen. Surtout dans la montagne de Reims, de la Marseille. On vient d'arriver où là? À Paris, chez le doyen, sur les Champs-Elysées. Alors, une remise des médailles et un déjeuner de folie. On va remettre les prix. Eva Coupe d'être présente avec nous. Plus Maëva qui a conduit que toi. Merci d'entretenir cette passion automobile. Ah bah oui, viens. Récupérer. Bah, écoute, alors, c'est ma coupe. C'est ma grosse coupe. Ils sont repartis. Voilà. C'est symbolique, c'est une coupe d'arrivée parce qu'on a terminé. Mais et l'équipage numéro 2, Yves Marie Morin et Lara Morin en corvette. Une corvette de 1962. Je la passe sont présents, ils sont pas là. Si je les ai bien partagés. Trop fière. Elle est vraiment belle. Je trouve que c'est vraiment hyper gentil que l'Orga fasse ça pour moi. Entre nous, je ne sais pas si elle était pour moi au départ. Mais non, c'est vraiment gentil, c'est une belle attention. Et puis c'est un beau souvenir surtout. Ça a été rapide, ça a été une journée et demie de rallye, mais on s'est bien amusé. Bon, on va faire quoi maintenant du coup? Bah écoute, on va réfléchir au prochain rallye. Peut-être les Alpes. On a mis le rappel avec Julien dans mon téléphone. Donc il faut que monsieur m'appelle et me dise ce que je dois faire encore sur tel rallye. Allez, réveille-toi. T'inquiète, tu me dis quand ça tourne. Ça tourne, comment ça va? Ça tourne, fin de vlog, on a terminé. On s'entend bien comme vous voyez. On s'est pas entretués dans la voiture. Non, c'est pas discutant. Maëva, t'as aimé ce rallye avec moi? J'ai adoré, c'était vraiment bien. Franchement, on a trop rigolé, on s'est trop amusé. Ça s'est un peu vu en image. Ouais, il y avait zéro pression.
ça s'est dit aussi. Donc non, franchement, c'était cool. J'ai en plus remporté une super grosse coupe. Ah, je suis très très jaloux. Elle est grosse. Donc c'est une fin de vlog. On vous invite à commenter. Vous allez nous revoir ensemble sur d'autres voitures, sur d'autres circuits. Mettez un petit commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé de Maëva. Voilà. Est-ce que j'ai été bonne copilote et aussi pilote? Surtout pilote, surtout pilote. On vous fait des bisous. Merci. On se voit sur le prochain épisode. Bisous. Ciao. Hello tout le monde. Miss France 2016. Ouais. Ah, j'étais sûre de 2018. Pas eu des coupes des Alpes, pas eu de rallye story sur le rallye alpine. On est à Paris. T'as eu son bas de faire foutre ou pas? On est à Paris. T'as vu comme il parle? On va où là? On va au musée du vin. Pas du tout. Checkpoint ? Pas du tout. Je sais pas, on va où ? Dans un domaine. Visiter. Visiter des caves de champagne ? Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, j'ai du champagne, c'est ça ? C'est bon, la mienne ! C'est la mienne ! C'est la mienne ! Non, j'ai inversé. Ah. Est-ce que tu penses que tu peux me dire un truc Il en avait rien à foutre. J'ai vraiment inversé. J'ai un truc dans l'œil de C'est quoi ? Je sais pas. Je check. Tu fais quoi, Blan? Là, je réponds à un téléphone. Qu'est-ce qu'on fait, Julien? Qu'est-ce qu'on fait, là, Julien? Qu'est-ce qu'on fait, Julien? Tu fais quoi, là, Julien? Qu'est-ce que tu fais, là, Julien? Ah! Je suis en train de bouffer une pizza! Oh non, on ne peut plus. Allez, Julien, tu fais quoi? Non, c'est pas moi, c'est toi qui réponds. Allez, qu'on ressort. Un titre? Non, pas mettre ça.